Les investisseurs de Qui veut être mon associé ont rencontré de nouveaux entrepreneurs très motivés, ce mercredi 11 janvier. Parmi eux, Sophie et son entreprise Aglaé ont littéralement bluffé les internautes, qui ne sont pas loin de penser que CI est le meilleur projet jamais présenté dans l'émission. Après un premier épisode très suivi la semaine dernière, M6 proposait, ce mercredi 11 janvier, la suite de la troisième saison de Qui veut être mon associé ? Une série d'entrepreneurs motivés sont à nouveau venus pitcher devant les très exigeants Marc Simoncini, Delphine André, Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, Jean-Pierre Nadir et la nouvelle venue Isabelle Chevalier. Après le succès de Détective Box de la Paille-Doux la semaine dernière, d'autres projets ont inspiré les Business Angels. À commencer par celui de Sophie, qui ambitionne de changer le monde avec son entreprise Aglaé. Un projet très innovant qui emballe les investisseurs. Ce projet très innovant a pour objectif de revégétaliser les centres urbains avec des plantes luminescentes qui pourraient les éclairer. Cette idée brillante à la fois écologique et économique a bluffé les investisseurs. La jeune entrepreneuse leur proposait 10% du capital de son entreprise en échange de 350 000 euros. Isabelle Chevalier, la nouvelle investisseuse venue du Québec, a été la première à s'exprimer et elle a frappé très fort. Elle a en effet offert la somme demandée à la chef d'entreprise en échange de 15% de sa société. Delphine André a tenté de faire la même offre que sa voisine, pour lui permettre d'aller deux fois plus vite dans son développement. Elle était ainsi susceptible de troquer 30% de son entreprise contre 700 000 euros. Enthousiaste, Marc Simoncini a souligné que c'était exactement le genre de projet pour lequel il participait à l'émission. Éric Larchevêque et Anthony Bourbon ont passé leur tour, ne pouvant concurrencer la très belle proposition de leur consoeur. La chef d'entreprise a tenté une contre-proposition avec Isabelle, 12% pour 350 000 euros, délaissant l'offre de Delphine André. Mais les deux femmes en sont restées au premier deal. Une offre très alléchante qui a néanmoins enchanté la jeune chef d'entreprise. Les internautes sont prêts à investir eux aussi. Le projet de Sophie a emballé les internautes. Dinguerie, idée de génie, innovation impressionnante et fascinante, hallucinant. Ils n'ont pas tari d'éloges à son sujet. Aglaé a presque fait le consensus sur Twitter. Pour certains, il s'agit peut-être du meilleur projet présenté à ce jour dans l'émission. Ils ont été nombreux à remarquer qu'il était complètement dans l'air du temps, à l'heure des économies d'énergie demandées aux particuliers, comme aux collectivités. Ces plantes lumineuses ont également fait penser aux téléspectateurs à la magie du film Avatar. Nombreux étaient ceux prêts à suivre Sophie dans son projet. Innovation impressionnante et fascinante, semi, visage romantique, j'investis. Hashtag lancez-vous, hashtag Kvema, hashtag agritech, hashtag biodiversité pique. twitter.com/ojdhtweetfmxi, détaché de presse @detachipress, January 11, 2023. La fondatrice d'Aglaé est juste une personne brillante, je pourrais l'écouter expliquer son concept pendant des heures. Quelle idée au OMG, hashtag Kvema, mw@momofatidog, January 11, 2023. Si est juste hallucinant cette plante qui brille, waouh, hashtag Kvema pique. twitter.com/7uoc7tool, qui quoi missa la pi quoi pas balayer, @mister-bali, January 11, 2023, hashtag Kvema, si est tout simplement une putain d'idée.
Bravo. Je veux bien investir. Allez à Jacta, trèfle à 4 feuilles, cœur, @lesiacnous, January 11, 2023. CIST futuriste de fou, CIST beau de fou, et CIST écolo de fou. Tu veux quoi de plus? L'idée est magnifique, respect. Hashtag Gréma, hashtag qui veut être Emonas aussi, 20@237193, January 11, 2023. Ça donne très envie ces plantes là. Hashtag Gréma, marron, @hydrojustice, January 11, 2023. Zoar, CIST incroyable, visage sans voix, mains qui applaudissent, mains qui applaudissent, mains qui applaudissent, mains qui applaudissent, mains qui applaudissent. Hashtag Gréma, Adeline, @Adeline 3164, January 11, 2023. Je l'adore son concept, c'est incroyable. Hashtag Aglaé. Idée de génie et tellement d'utilité publique au niveau environnemental et écologique. Brillantissime. Hashtag Gréma, hashtag qui veut être Emonas aussi, Antonymique, @Antonymique, January 11, 2023. Aglaé, retenez ce nom, ne pense vraiment que si est le futur et si est vraiment beau en plus. Hashtag Gréma, hashtag qui veut être Emonas aussi, 20@237193, January 11, 2023. Hashtag Gréma, cette dinguerie, l'idée est géniale. Arkenemifan, France, @Arkenemifan 67, January 11, 2023. Incroyable son projet, visage romantique, dièse Gréma, feu, @Psama, January 11, 2023. Best projet depuis le début. Hashtag Kevema. Par contre, est-ce que ces plantes résistent aux conditions de vie urbaine, pollution, neige, pluie, etc. https://t.co/scg2dozimb, maximi@maximsoa, January 11, 2023. Le projet Aglaé est fou, super entrepreneuse. Hashtag Gréma, chapeau de paille, France, @chapeau de pays, January 11, 2023. À lire aussi, qui veut être mon associé? Pourquoi Neokid, NKD Puzzle, porter un masque?